Bonjour et bienvenue sur KGS TV. Meumeu se marre parce qu'il est en train de faire mumuse avec les skins. Donc aujourd'hui c'est Diablo 3 parce que j'ai décidé de faire cette nouvelle émission. Ça sera... Quel jour de la semaine t'aimes bien, Meumeu? Le mercredi. Alors maintenant, le mercredi, ça sera Didier. Voilà. Et voilà, on a décidé, c'est comme ça, c'est fait. Maintenant, le mercredi, j'essaierai de faire un épisode sur Diablo 3. Puis ça vous plaît, hein, parce que ça vous plaît pas, ben on le fera pas. Voilà. Sachant que c'est ce que j'en avais fait avant. Oui, bah t'en avais fait un petit peu, mais là, ça sera un nouveau concept. On va plus montrer des failles, etc. Tu avais montré à l'époque, quand il y avait encore des runs. Oh oui, on va montrer nos failles, pardon. Excusez-moi. Tant t'es un personnage masculin, donc ça risque d'être gore. Oui, donc, on a des personnages saison. Alors, pour rappel, la saison 2 a commencé il y a peu de temps. Donc, c'est-à-dire on n'a pas encore du stuff très très fort. Hein. Bah, il y a une semaine, quoi, que ça a commencé. Ouais, à peu près. Hein. On est déjà niveau 70 avec quelques levels de parangon. Bon, même eux ne peuvent pas faire de T6, on fera pas de T6, c'est pas la peine encore, de gueuler dans la vidéo. Encore, mais ça va venir, ça va venir. Oui, voilà, bah, on est en train de stuffer le meumeu, donc voilà. Et donc aujourd'hui, Captain va... Porridge. Bah, et là, il y a marqué le meumeu, tiens. Bah oui, mais tu vas les paumer à la force. M'en fous. Captain meumeu, voilà. On va changer, maintenant, ce sera Captain meumeu. Pourquoi pas. Donc c'est pour ça qu'on va faire du T4, ce qui est quand même pas dégueulasse au bout d'une semaine, quoi, de la saison 2. Hein. Pardon. Hein? Non, j'ai dit, ils sont moches, ces skins, j'arrive pas à en choisir un chouette. Ouais, bon, écoute, je te laisse faire tes habillages. Donc, où est-ce que c'est marqué que c'est un héros saisonnier d'ailleurs? Je crois que tu peux le voir. Ouais, t'as la feuille sur ton perso. Ouais. Donc, je vais montrer mon perso. Hein, je vous présente donc ma moine. Donc, ça, c'est mes autres persos. Hein, le level 70, 323 parangon. Ça, moine qui s'appelle Main Moite. Pardon. Moi, non, c'est pas moi. Oh, non, moi, c'est Kaegis. Tu vois, je suis resté. Je suis resté dans la sobriété. Donc le build, je passe rapidement dessus, mais bon, je pense que il est. Bon, moi je l'aime bien. Après, je sais que c'est pas le plus opti, mais pour le moment, c'est j'aime bien. Donc le but, c'est avec pomme explosive, cryogénisation et la grille du dragon avec la main d'Itar. Puis le reste, voilà, je passe rapidement. Là, le but, c'est pas forcément de vous montrer ce build là. Je vais vous montrer un peu le matos histoire de me la péter un peu. Voilà, tac, 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 tac. Bon, après, c'est pas exceptionnel non plus, hein, y a mieux. Bien mieux, bien mieux, bien mieux. La fiche de perso, pas voilà. Terrible. Pour ceux qui veulent voir mes stats, voilà, tout ça, tout bien, tout ça. Voilà. Et donc ensuite, on fera des vidéos sur des builds spécialisés, des trucs comme ça. Ouais, mais je pense qu'on prendra plus les persos hors saison pour ça, parce que là, en saison, un gros problème de matériel. Bah pour l'instant, oui. En même temps, ça fait pas longtemps. Ça fait quoi, une semaine qu'on est sur les persos saisonniers là. C'est ça. Puis bon, moi, j'avais pas le jeu avant. Hein. Je l'ai eu que très récemment. Donc, une envie de changement. Et donc, du coup, aujourd'hui, on va faire de la faille. C'est ça. Et donc... Nous allons failler ensemble. T'as fini ton truc ou pas? Mais presque, mais j'arrive pas à trouver des belles bobottes. Non. Ces SLS là sont pas à ma taille. Vous les avez en 42? De toute façon, tu es du 42, toi? Oui, je fais du 42 et demi. Ah, d'accord. J'ai pas de grand pied, mais j'ai un très grand. Pardon. Oui, non, il paraît que c'est proportionnel. Et cet anus artificiel dimensionnel est incroyable, pardon. Ça y est, il recommence, il est reparti avec son anus artificiel. Oui, donc, qu'est-ce que je disais moi? Non, oui, que je fasse du 45, putain, moche, on s'en fout. Ouais, ça va être bien ça. Comment ça, je peux tirer un objet? On attend là, allez. Mais non, mais. Il met choisir un objet, ce connard. Il y a pas de bot. De toute façon, les skins de Diablo 3, ils sont faits à l'arrache. Mon bouclier, je sais pas si je le garde comme ça. Je vais commencer tout seul, voilà. T'apprendras. De quoi? T'es trop long. Allez. Vilain. Là. Bah oui, mais en même temps, tu viens ou tu viens pas? On va pas rester 10 minutes. Et j'arrive. Je choisis mes couleurs. Vous l'avez en jaune poussin. Du coup, le temps que Monsieur finisse, je vais faire une petite ellipse et. Mais quoi? Oui, ah, ça file. Le pactole, tu veux dire le portail? Oui, on a eu le portail au gobelin. Oui, portail des gobelins. Du coup, le pactole. Je vais filmer ça. On t'attend depuis 10 minutes. Oui, maintenant, c'est que je suis en train de crever, moi. Il y a des mobs et je peux juste pas passer le portail parce qu'ils sont en train de me buter. Voilà. T'es en train de péter un gobelin et puis à un moment donné, il y a. Mais qu'est-ce que vous faites, les gars? C'est Momo. Non, Momo, c'est mes. Allez, c'est parti, on est parti, Charles. Bon. Donc cette salle au trésor, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir récupérer des millions d'heures. Ouais, moi je passe derrière, comme ça j'ai pas de boulot à faire.
Ouais, mais non. Par derrière, de toute façon, tu passes toujours par le côté sale. Toi, ouais, mais j'aime bien, moi. Je suis comme ça. Peggy 7, Peggy 7. Mais on a dit par derrière. Attends, faut pas le péter. Voilà, c'était bien. Excusez-moi, pardon. On prend les personnages au trésor. Vous êtes des boulets. Fais ce qu'on peut. Oh, un gobelin. Oh, c'est mon gobelin préféré. C'est mon gobelin. Oh non, je vais être full en plus. Bah c'est pas grave, tu pourras revenir. Ouais. Bon, je vais aller vite fait acheter et puis Ouh, j'ai passé un niveau paragon. Reviens là. Il y a un gobelin dedans. Et grêle, tiens, prends ma grêle sur ton cul. Pardon. Je sais pas si c'est sur son cul, mais il a pris. Faut bien péter les décors, ouais. Ça casse cool. Ouais, il y avait un gobelin rouge là. Que j'avais pas vu. Bah oui. Ouais. T'as pas vu? Cool. Je suis à 452 du coup, merci. Bon. Il a crié je suis indien, ne me tuez pas. J'ai ouvert un plateau téléphonique, pardon. Bah, comme première vidéo sur Diablo 3, moi je trouve que ça va être rigolo. Première, c'est pas vrai. On l'a déjà fait avant. La première que moi j'ai fait en tout cas, toi t'en as fait, mais enfin non. Ça doit bien tiquer du coup le bâton quand même. Ouais, ouais, mais si t'aurais été là, je te l'aurais filé. Pourquoi je peux pas ramasser les pièces? Parce que t'es pas passé dessus. Bah si, je rame. Affreusement. Ah non, c'est qu'elles sont. Y en a qui sont du mauvais côté. C'est un épique celui-là? Non, c'est quoi, mais je rame, j'ai des rollbacks. Ouais, c'est un boss. Un rare de. Ouais, peut-être. Ouais. Peut-être, ouais, un gobelin rare. Ouais, c'est surtout qu'en saison là, les thunes qu'on est en train de se faire, c'est monstrueux. Et sachant que donc moi, là, regarde. C'est ici en fait. Alors à ce moment-là, on va commencer à faire le boss. Mais il va y avoir des gobelins qui vont popper, et c'est ça la priorité. Ouais. Et regardez ce que j'ai dedans chassé, moi, dans ma foule plaintive. Oh là là, il va se faire un max de couilles en or. Et là, je passe, j'étais à 9 millions, là je suis à 37 millions. Oh putain. Effectivement. Bon, après l'or sur Diablo 3. Ouais, non, mais tu sais, quand tu peux l'avoir rapidement, c'est bien. Ouais, c'est clair. Bon, surtout sur le personnage, c'est bon. Moi je claque pas le burst. Je le crée quand il y aura le gobelin. Merci ah, gobelin. Gobelins, il va aller faire poke à droite à gauche. Ah merde, je me suis pris ça, je peux. Je te laisse c'est des PS. J'aurais dû regarder combien j'avais de PS. Est-ce que si tu le fais en 3 heures, est-ce que t'auras 3 heures de gobelin? C'est ce que j'étais en train de me demander. Oui bah, je sais pas qu'en fait comment il les fait pop. Donc C'est les gobelins qui tombent de son dos. Ah bon? Non, puis en plus, ouais. J'ai envie de dire. Ouais, mais pour l'instant, on en a eu qu'un quoi. On a pas un là pour le moment? Il en a eu un seul. Là. Là. C'est vrai que si je dis là. Oh putain, je vais pas marcher. De toute façon, on va être vite full. Hein. Ouais, enfin, en or, on est jamais full. Ouais, je tape avec des petits coups. On le finit ou on attend un autre? Ouais, je tape avec des petits coups pour voir si ça tombe. C'est suivant son pourcentage. Ah, y'en a un qui tombait là, y'en a un. Hein. C'est suivant son pourcentage de vie, je pense. Allez, on claque le burst et on le finit. Allez, c'est parti. Allez, on le finit. Clac, cette compétence n'est pas prête. Ah, j'ai pas regardé la cinématique. J'ai eu un légendaire déjà avant de finir. Ah, allez, bah, honneur dit, bah. à me. Allez, on le claque, regardez, allez, il prend cher là, allez, vas-y. Putain, la vache. Vas-y. Là, il y a des sous là. Là, il y a de la thune. Non, là, vous avez fini, les mecs, c'est dégueulasse. J'arrive, je suis tout beau. Regardez, fais un Z. Je peux pas, j'ai changé mes touches. Je peux pas zoomer, moi. Mais on te voit, t'inquiète pas. Allez, t'as capté. Prends-toi, mes dadas, dans le. Attends. Attends, j'ai accepté. Uh-huh. 3, 2, 1. Allez, on y va. Voilà. Tac, c'est bon. Non, c'est que j'ai changé un truc du coup. Alors, petite astuce, on pourrait se TP là et attendre d'avoir une faille niveau 1. Mais bon, vu qu'on tourne et que on va pas faire une vidéo de 8 heures non plus, on va directement leur péter la gueule. Donc le principe, c'est que cette petite épreuve est censée être, comment dire,
là pour tester nos capacités, pour avoir un niveau de faille supérieur à ces, comment dire, à notre niveau, quoi, tout simplement. Voilà. En même temps, s'ils connaissent Diablo, ils savent déjà tout ça. Oui, mais s'ils connaissent pas. Bah, s'ils connaissent pas, bah, tu leur. Voilà. Ouais, voilà. Plus nous tuons de mobs, et plus. Voilà. Bah, ça augmente en vague. J'ai la formule quelque part, je crois. C'est... Puis ça sert pour upper des gemmes, et les gemmes, on les chope dans les failles supérieures. Bon, on a déjà toutes Des gemmes spécifiques pour les années. D'ailleurs, j'ai pas chopé les nouvelles gemmes. Ah si, si tu les as toutes, c'est que t'as chopé les nouvelles. Bah, je sais pas si elles se drop. Si, t'as la nouvelle gemme en forme de scarabée, qui est là pour augmenter, je crois, le bonus d'expérience. Ah oui, si je l'ai. Et tu as l'autre gemme qui est en forme de globe bleu. Ah oui, qui met des résistances. Par contre, on va peut-être s'arrêter, parce que moi je peux continuer. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire aussi, en fait. Parce que 25, on va avoir une faille 23 là déjà. Ça fait beaucoup quand même. Enfin. Voilà. C'est bon. Un peu plus squatté, quoi. J'arrive pas à partir. Out. Ah, c'est bon, les élémentaires d'herbe vont faire le boulot. Allez, hop là, 21. Ah bah direct 21. Bah voilà, ça sera direct 21, écoute. Ça va être un peu compliqué. 30 points de colère, j'en ai 100, c'est-à-dire 3. Et je récupère. D'accord. Je vais réparer au passage, question d'habitude. Je vais juste vérifier un petit quelque chose si tu veux bien. Non, je veux pas. On fera TSP après, on torche la faille et puis on finit. Mais non, mais je regarde si. Si j'ai pas un truc qui. J'ai un truc qui me démange. Non, bah non, mais c'est bon, tu peux y aller. Allons-y! On tremblait à notre vaillance. Ha! Hey papy! Montre-moi ta nuque! Je vais graver mes initiales, tu les auras sur la peau toute ta vie. Non, c'est honnête qu'on fait ça d'habitude, pas au papy. Non, mais c'est une façon de parler, c'est l'amour à l'aspect des grandes arès. Il y avait, c'était un chanteur, je sais plus quel c'était, qui s'amusait à faire ça, il scarifiait ses nénettes, enfin ses groupies avec qui il faisait des choses. Il les scarifiait, il mettait ses initiales dessus pour, c'était un concours avec son guitariste, je crois, ou son bassiste. Oui, ah, oui, c'était génial. Un groupe de gens très calmes, hein, bien sûr. Qu'on peut sûrement retrouver au Hellfest. Oh. Ah oui, c'est vrai, pardon, alors, il faut pas le que je parle de Hellfest. N'est pas un regroupement de tarés. Alors là, j'ai mis des hypothèses. Non, bah j'y vais tous les ans. Bah j'y vais assez souvent et je voulais pas en parler parce que c'est vrai que t'as pas eu de place cette année, donc bon. Ouais, arrête, m'en parle pas. D'ailleurs, si j'en profite, hein, par le biais de cette vidéo, s'il y a des gens qui ont des places... Si vous avez des places 3 jours pour le Hellfest, je suis preneur. Combien, bon, par contre, je paye pas 2000 euros la place, hein, faut pas déconner. Non, mais combien t'en voulais de, bah, quand, une ou deux de places. Bah deux. Deux places. Donc voilà, si vous avez deux places pour le Hellfest... Même si vous en avez qu'une, tant pis, la copine, elle restera dehors. je plaisante. Elle restera... Bref. Non, mais voilà, vous mettez dans les commentaires, vous m'envoyez un petit message sur YouTube ou par le biais du site www.kjgis.com. Et si c'est sérieux, ma foi, pourquoi pas, hein. Voilà. J'en profite, on sait jamais. Surtout qu'on avait des gens qui allaient au Hellfest d'habitude. Dans les commentaires, tu devais en retrouver l'année dernière, je crois. Non, je devais pas en retrouver justement parce que personne qui est allé. Enfin, ah ouais, personne ne m'avait répondu. Non, il semblait qu'il y avait ou un. Si, ou alors après, ou trop tard, ou je sais plus, il y avait une histoire comme ça. Il m'avait répondu trop tard, je crois. Bon, enfin. En tout cas, voilà quoi. S'il y a eu un changement de programme et que vous finalement vous pouvez pas aller au Hellfest. Vous savez pas quoi faire des places. Pensez à votre Captain adoré. Voilà. Ça peut être une idée. Captain Zumzu. Oula. Tu t'es prêt de donner ta personne pour avoir ses places? Dépend. Si c'est pour ratisser le jardin, on peut s'arranger. Enfin, ça dépend du jardin, bien entendu. Parce qu'avec Ikem, on va avoir encore des sous-entendus pourris. J'ai rien dit, moi. Mais non, mais oui. Si, après, on va croire que c'est tout le temps de ma faute. Mais c'est le cas, tout à mais fait. Non, je suis pas d'accord. Comment? Qu'entends-je? Je suis pas d'accord, c'est pas tout le temps de ma faute. Ouais. Ouais. Et le monde devint une pastèque. Ah, ça pourrait être bien, ça. Ah, faut faire gaffe, nous on serait les pépins, c'est ça? C'est ça. La purée. Je plains celui qui va la bouffer, hein. Il risque d'être malade, hein. C'est clair. La grosse pastèque qui dort avec moi.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je n'ai pas bu. D'accord. Oui, mais ça, c'est ici. Non, d'accord. L'abus de médicaments, même pas. En fait, je sais pas. C'est naturel, d'accord. L'abus d'oasis, c'est mauvais pour la santé. Non, faut pas faire de pub. Pardon. L'abus de pchit. Ça existe ? J'en sais rien. Non, mais quand t'en dis une, il faut en dire deux autres. Il faut en dire deux autres. De marque. Ah, faut en dire deux ? Ouais, ouais. Chouette, c'est Coca-Cola. Voilà. C'est toute la même marque, c'est tout Orangina, mais c'est pas grave. D'accord. Perrier et Salvetta. C'est aussi Orangina. Manque de bol. Camel. C'est le même groupe. Me dis pas que c'est Orangina, ça. De quoi ? Camel. Je sais pas, je connais pas. Mais oui, oui, non, pratiquement toutes les boissons, faut savoir que c'est Orangina. T'es où, toi ? T'es déjà passé dans la bon... Non. Non, mais dans ton portail de faille. Ouais, ouais, ouais. Tiens, j'ai chopé canalisation d'au-dessus. Ouais, tapé. Super ! Je peux envoyer mes datas à l'infini. Ouais, ça, tu pourras bientôt tout le temps le faire. Wouhou ! Youhou ! Allez ! Coucou ! Ah, il y a ma meuf qui vient de perdre sa virilité. Si tu la retrouves. Venez par là, mes mignons. Youhou. Je vais vous montrer ce que c'est qu'un vrai croisé. Ah oui, bah oui, parce que monsieur voulait faire un gros paladin poilu. Ah non, pas du tout. Bah si, c'est quand même ce que t'as fait. J'ai jamais dit que je voulais faire un paladin poilu. Qu'est-ce que t'en sais ? Ça se trouve, il s'épile. J'ai du mal à y croire quand même. En même temps, les paladins sont tous mais à force d'être dans les dans la lave, dans les trucs comme ça, les poils ils crament. Aussi, mais après j'allais dire c'est un paladin, c'est normal, c'est comme sur vous. La 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 la. Hein, oui. Allez, viens par là, mon mignon. Je traîne quelque chose, un gros boulet derrière moi. Non mais ça va, oui. Non mais pas toi, c'était le truc qui était au bout de la chaîne. Mais. Bah c'est vrai. J'espère bien. Non, mais enfin bref. Non, une pipe. À côté de ça, moi je dis Diablo 3, bah ça détend en fait, c'est pas compliqué. Ouais, c'est bon, après, la compétition dans les failles, ça peut être violent quand même. Hein, j'attends juste avec impatience qu'ils mettent le PVP, franchement, parce que non, ça fait tellement de temps qu'ils nous le poussent. Hein, ils ont mis le PVP, le truc c'est qu'il est pourri. Non, ils ont pas mis un PVP, c'est un mode d'entraînement. C'est pas un PVP. Ouais, je crois que c'était du PVP, moi. Non, c'est pas du PVP. Il y a le PVP, il devait y avoir des arènes et tout, ils avaient commencé à... On va finir la vidéo sur du PVP. Voilà. Ah bon ? Ouais, j'ai envie. Non, mais je suis pratiquement persuadé qu'il y a marqué PVP sur le truc. Bon, enfin bref. Dans tout cas... C'est pas du PVP, c'est un mode d'entraînement, en fait. Mais vraiment, il devait y avoir des arènes, hein, avec des particularités, des pièges, enfin des conneries, quoi. Vous pouvez faire du 2v2, c'était vraiment par équipe, t'avais tout un système comme ça. Alors que là, ce qu'il y a, c'est juste bah, c'est du chacun pour sa 3-1, quoi. Ah oui, ça, ouais. Il est où ? Je tape dans le vide, en fait. Oui, pas non, parce que il tape pas intelligent. Yep, elle est. Il est costaud, lui. Donne-moi de la colère ! Arrête de frimer, connard ! Allez. Ben voilà. Et il est mort. Ah, 8 minutes 22 d'avance, quand même. Hein. Et rien du tout. Oh, t'as rien eu ? Strictement rien. Sans déconner. J'ai eu un blanc. Ah bah, j'ai encore eu des brais. On améliore la gemme ? Ouais, allez. Soyons fous. Améliorons la gemme. 26, 25. Oh, j'ai 4% de chance d'améliorer ma gemme. Peut-être pas prendre ça du coup. Ça va être un petit peu, oui. Ouais, ouais. Je croyais que c'était 60% d'ailleurs le minimum. Ah non. Bah, la preuve. Ah ouais, ouais, bah. Pas grave, j'améliore l'autre et puis elle est passée 13 comme ça, ou 12, ouais 12. Bon bah alors, voilà. Pour ceux, parce que je tiens à le repréciser pendant que j'y pense, je retiens à préciser, nous sommes actuellement en saisonnier. Nous ne sommes pas en normal on va dire. D'où nos petits paragons. Wow. Ok, enfin, tu me diras, moi ça faisait, j'avais fait une pause tellement importante, tout à fait, et je vais moi aussi retourner à l'école primaire. Enfin, une pause assez grande, et donc du coup, j'ai pas beaucoup les paragons, je crois que je suis à 350, un truc comme ça, dans normal. Ouais, bah, je suis dans les mêmes eaux. Non, mais alors surtout,
cette vidéo voilà, va se finir comme ça. Le truc à préciser, donc effectivement, c'est que c'est spécial saison, parce qu'on a envie de faire un truc un peu spécial, donc saison. Il y aura quoi? Il y aura des builds, sûrement, qui seront présentés. Tout à fait. On va sûrement présenter aussi, potentiellement, des grosses failles. Parce que voilà, là c'était une toute petite faille. On va commencer une fois que tout le monde sera relativement bien stuff, ce qui commence à être bien le cas, que ce soit en normal. Puis donc il reste moi un peu la up le croisé en saisonnier. Voilà. Mais il y a possibilité effectivement pour qu'on essaye de faire des groupes relativement solides pour faire des failles supérieures de haut level. Moi, je prendrais le féticheur avec une spé contrôle de masse. En saison, ça. En hors saison, mais en saison, bon, ensuite, il faudrait vraiment qu'on y regarde. Mais il y a moyen qu'on fasse un truc de ouf. On verra. Enfin, bon, voilà, en tout cas, c'est pour vous dire que, donc, maintenant, il y aura une petite émission. Pour le prestige sur Allez, viens te fight, tiens. Tu veux vraiment le faire? Combattre d'autres héros. Ah, ben non, c'est juste qu'ils causent, en fait. Entrant en lice. Cogné dans de ma part. Des héros se battent en duel dans une arène pas loin d'ici, ça vous intéresse? Oh, je n'ai rien. Hein? Oh, je ne vous ai rien dit, hein? C'est tout? On va entrer en lice. Tu viens ou tu viens pas? Ouais, c'est ça, c'est le mode entraînement en fait. Je te vois! Ouais, moi aussi! Mais c'est que tu tapes en plus! Hey, 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 hey. J'ai vaincu le ticket. Mais non, je suis pas d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait défoncer. Ouais, en gros le PVP c'est toujours pareil quoi. C'est le premier qui voit l'autre qui gagne quoi. Oh joli. C'est bien ce que je dis. Ça a pas changé quoi. Bon enfin bref, c'est sur cette mini présentation du PVP pourri de Diablo 3 qu'on va se laisser, il y aura sûrement plein de choses qui vont arriver, voilà, tu vois, c'est le premier qui voit l'autre qui gagne. Moi, je considère pas ça comme du PVP, tu vois. Bon, bah alors, si tu veux, faut qu'on se mette bien la face à l'autre, et puis... Non, mais bon, c'est n'importe quoi, moi j'ai un clic droit à faire, et toi t'as appuyé sur le bouton des chevaux. Moi, je suis sur le pont. Ah, mais c'est bon, je me suis en allé. Oh. Oui, non, c'est rien de... C'est pour ça que j'aime pas le PVP. T'as perdu 2-1, voilà, à vous. Hein? Il y a eu un... Ah non, 2-1, t'es mort deux fois. Ah oui? Bon, bah, je suis mort deux fois alors. Ouais, victoire! Si tu veux, toi avec tes 300% d'armure et tout le bordel. Enfin, je suis invincible! Non, je déconne, pardon. T'es invincible? On fera ça en saison aussi. C'était un clin d'œil à. Merde, GoldenEye. Ah! Je suis invincible! Bon, en tout cas, c'est la fin de la vidéo. Si ça vous a plu, si vous voulez retrouver du mercredi, c'est Didi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à mettre un petit pouce up sur cette vidéo et à me dire aussi ce que vous voulez voir dans ces mercredis, c'est Didi. Sachant que nous, principalement, on pensait à mettre des builds et à vous présenter des failles supérieures, vraiment de allez, niveau 28, 30, 40, 50 peut-être, si on arrive à les faire. Voilà, un autre mot à rajouter, mon meumeu, ou on s'arrête là? Non, c'était tout, très cher. Allez, ciao tout le monde. Ciao. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce vert. Car oui, un pouce vert sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et ça encourage surtout à continuer. Tu peux également regarder mes autres vidéos. Voilà, je te remercie, à la prochaine, bye bye.